Vous êtes en quelque sorte le coordinateur de tout ce grand projet. Est-ce qu'on peut avoir un peu l'historique d'où est parti l'envie de pouvoir créer, de construire encore une église à Tchapo? On est parti d'un constat. D'abord la VTC de la chapelle, vous avez à filmer. La chapelle qui a aujourd'hui 50 ans, parce que ça a été inauguré en 71. Voilà. Ensuite, il y a le développement rapide de Thiès. Tchapo était un village, maintenant c'est un quartier. Parce que ça s'agrandit et ça va s'agrandir davantage. Alors nous avons senti ce besoin. En plus du patrimoine culturel de Tchapo, on l'a dit, c'est le village de Monseigneur Ndion. Ensuite, il y a eu d'autres évêques. On a des évêques, on a des abbés, on a des sœurs religieuses et des religieuses. Alors on a senti la nécessité, effectivement, de travailler autour de ce projet. Alors, au début, on avait un premier projet. C'était une chapelle. Mais on a jugé nécessaire d'aller vers une église pour justement répondre à ses besoins, voilà, de s'adapter à cet environnement. Alors c'est ainsi qu'on a donc organisé une assemblée générale et on a mis en place un bureau exécutif chargé donc justement du projet de conception. Quelle évaluation vous faites de ce travail qui vient de se faire? Voilà, donc la première évaluation c'est le coût global. Donc on a estimé un coût estimatif 45 millions à peu près, contenant les équipements et autres, bon, disons, commodités, comme les toilettes, le mur de clôture. Voilà, un budget global de 45 millions. Bon, qui a été un peu revu après avec le partenaire. Bon, on travaille, mais globalement, c'est autour de 45 millions. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a discuté, on s'est... Puisque les moyens ne suivaient pas globalement, on n'a pas bouclé le budget. Donc, on a une approche. On commence par la fondation, l'élévation, ensuite la finition. Alors, lorsqu'on a donc été élu, on nous a donné comme charge vraiment d'avancer sur ce projet. C'est pourquoi on a commencé par la fondation que vous voyez derrière, avec nos partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. Voilà, donc il y a un premier budget qui tourne autour de TTC, 6 millions, 7 millions, donc pour la fondation. Ensuite, il y aura l'élévation et la finition. Assalamu alaikum mbolo mi ma ngi nuyu ñep di ci jital abbé di ci tek le délégué de quartier ak toute la communauté ici à Tchapo. Bon, entreprise bi liguey bi ñu koy wax entreprise Kayor Rai. Entreprise Kayor Rai, c'est une entreprise de la communauté. Waaw, ñu ko créé en 2003 bir semé de fer la nékkon, mais légui dañu jël suñu tentacule def ko fep ci lañu génné di liguey. Waaw, di liguey ci walu bâtiment, di ci def ay résultats partout ici au Sénégal, en particulier en Thiès. Pour man, bu do amé privilège tabax lolou neug ya lolou privilège la manam jaglé la, parce que ñepp amuñu occasion def lolou. Comme que ñun entreprise Kayor Rai mom la yalla jittel ñu fexé bañ le colo communauté ñukoy dal lolou lañ ko ci centre liguey bi nak commencé nañ ko. Si jamm ñu ngi koy def, do xolé fondation bi c'est presque terminé, ñu ngi à 90% d'exécution de la fondation. Jaar na yon, on a mis une fondation bo xamanteni ci comme que bërepp la bo xamanteni ci day jël nit ñu bari, des centaines de personnes. On a mis ay semelle yo xamanteni ci yu ngand la xamanteni ci sécurité totale lañ ci def. Bo ñu xolé longueur yi ngeen fi gis,
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ak xalaatu mëna tabaxal yalla kër fi ci Tiapon kër gu mengo ak kër yalla lima ci tek moy ma ngi gëreum xalé yi nga xamé né ñom ñoo jité liggéey bi contant na lool ci liggéey bi ma ngi leen di encourager bu baaxa baax di leen jébal yalla yoon wi ñu tambalé na leen yalla am may doolé ñu mën ko agalé ak jamm amna ci mbékté lool di leen ñaanal yalla ndax liñu sumbu mu ag ak jamm xana mu neex ñu ci suñu xol ba dañ ci content ñun fam catholique ak fam yu ci dëkk bi yépp ñu né dañ ci content motax nanguwul ñoo fété gënaaw ñoon ci suñu biir amna liñu defoon ñuy engagé wu mais liñu engagé ba ñu gisanté ak Sylvain lolu doyul dinañu dolli ndax liggéey bi jéxagul mais nak ñu ngi ñaan ci Mariam Moussalam mu gën ñoo may doolé ndax ñu mëna agalé suñu liggéey bi ñu mëbat ci biir dëkk bi donc c'est d'abord une fierté pour nous de voir en fait l'état des lieux en fait C'est un projet qui commence à se réaliser en fait. Donc les jeunes se sont investis dans ce projet depuis le début. On peut dire qu'on a joué une part très importante dans la recherche de fonds. Et voir aujourd'hui déjà la fondation actuellement, donc c'est une fierté pour nous. Donc Tiapon, ma fierté, regroupe l'ensemble des jeunes de Tiapon. Donc c'est une jeunesse très engagée. Vraiment dès le début ñu ngi duggal depuis le début duggal nañ seen loxo bu baax ci liggéey bi gis nañu fu liggéey bi tollu donc ñu ngi ñaan mu gëna jëm kanam avancé na yéxul content nañu ba si liggéey bi fu mu tollu quand je pense que l'église il y a 50 ans Saint-Pierre avait débuté de l'autre côté avec nos papas Le chef de quartier rappelait l'autre jour que nos papas se sont cotisés qui 100 francs, qui 200 francs, vraiment pour offrir cette église à Tiapon, qui est le village, enfin qui fut le village du premier évêque de Thiès. Quand je pense que beaucoup d'événements se sont passés, je pense qu'il est quand même bon, en voyant la population s'accroître, les gens venant, je pense qu'il est quand même bon, il est quand même nécessaire. Que l'Église continue sa croissance. Alors, je suis heureux ensuite de noter que 4 mois après l'inauguration, qu'on en soit à ce stade. Je pense que c'est quand même un bon début. 4 mois pour faire une fondation, c'est quand même un très bon début. J'ai noté aussi que la fondation, comme l'a dit l'entrepreneur tout à l'heure, est quand même une très très bonne fondation.
est bien faite. Je pense que ça continuera dans cette lancée. Parce que Tchapon, au vu de ce qu'il polarise comme habitant, je pense qu'il mérite d'avoir une très très belle église. Et je pense qu'avec tout le monde, on y parviendra. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Di gërëm yalla di sant ñepp ñu fi téw di wax né au niveau de la communication comme ni ngi ko waxé suñu liggéey moy fësal li fi nek ñu ngi waxtaan pour sét nan lañu mëna gëna def pour que liggéey bi fi nek am visibilité que d'abord sur le plan de la sensibilisation mais aussi nit ñi am luñu sukkandiku pour xamné liggéey baangi jëm kanam wala demul kanam. Alors ñoo ngi ci ñaan yalla rek mu jappalé ñu ba lolu ant ndax vraiment comme nit ñi dañ ñoo wolu won tek ñu fa donc laaj nañu jello leen dukkal buñu mëna romb dukkal bobu sax bo dinañ ci def parce que Tchapon jaral nañu. Xana di delo di len ñaax gënaaw bama len gëreëmé ndax gis na def nañ ci seen doole gep ñu ngi ci def seen doole ma gën leena ñaax ndax xalé téwul nga mëna def liggéey ba ci war mebet bi nga xamé né ñu ngi koy mebet ma nga ñaan kërcëne Tchapon yépp moy serer moy gan jola manjak ak ñeneen ak ñeneen ma ngi leen di ñaan yeen ñep ngeen japp ci te top ci gënaaw ñi nga xamé ni ñi ngi nekk ci liggéey bi manam ñi jité liggéey bi ndax man gis na né ñom seen walu bop njubté ak ciawarté am nañ ci ciawarté lool ciawarté gogo nak la ñaan kërcëno wa Tchapon yépp nañu ñom ñëm nañu and am ciawarté liggéey kër gi nga xamné mom lañu bëgg tabaxal yalla ñaan na nak yalla dimbaliñu katanu Yesu Krista ndax mo agge ak jamm way lima leen gëna ñaax lima leen gëna ñaax dal mané yalla sérer amna lu mu wax and wasan an ko pigundu way saw siru xeyna chrétienne population bi xeyna la population chrétienne yi xeyna bari wuñu fi ci Tchapon waye ñak bare du téré nga am jom té gis na né yeena nga ci yoon wo bu len ko bayyi yeen ñep na ngeen Tchapon nek ben xamné chrétienne ngeen té ngir yalla tax ngeen sumbu liggéey bi na lañ ci yalla jappalé ma nga gëreum ñëpp nak. Est-ce que am ngeen yenen perspective yenen activité yenen façon pour nga gëna jappalé chantier bi jëm kanam ñen femme catholique am nañu ay activité ñuy def souvent dañuy def dañuy créer ay kermesse wala diiné légui xaaliss bobu buñ ko jëlé dañ koy bolé ñu def ko ci caisse ba légui buñu paré ñu joxé ko ci liggéey bi ndax jappalé ñepp ñuy nekk ci liggéey ba liggéey bu gëna jëm kanam waaw ndax depuis le début ñu ngi organiser ay hawaré ay soirée ay mbélém donc ay kermesse yoy nonu lepp ñu reverser ko ci caisse ki bi pour construction ou église bi donc on a aussi des projets à venir donc dañuy continuer aussi di organiser ay événements yo xamné dañu ñu permettre ñu amat ay fonds également lancé won nañ fi opération un jeune un sac de ciment Tchapon ma fierté dessul ben yon ci ginaaw donc reverser nañu tonne de ciment japp nañ ci bu baax donc ñu ngi lancer un appel à tous les jeunes qui n'ont pas encore intégré l'amicale ñu ñëw comme ça ñu liggéeyando ensemble construire une belle église à Tchapon ndax Tchapon su amé belle église da ko wara am ndax premier évêque de Thiès vient de Tchapon donc Tchapon su amul église yaakaar naané ah du yonde
une très belle église. Moi, c'est un rêve féminin. Et ensemble, je sais qu'avec les jeunes de Tchapong, les jeunes aussi engagés comme jeunes de Tchapong, ma fierté, nous avons une église pour Dak Thiès. Nous avons une église pour Dak Thiès. Voilà, merci. Il faut que New York sache ce qu'on a fait. Non seulement, comme nous avons dit, Tchapong est plus grand. Donc, il faut que nous essayions. Par moment, nous avons dit que rappeler les gens, pour nous dire que ne serait-ce que la cotisation ou la relation. Mais nous savons aussi que nous avons dit pour toucher surtout les ressortissants, ils ne sont pas de chasse, ils ne sont un peu partout dans le pays. Nous faisons que nous avons dit que nous avons dit que nous sommes au même niveau d'information que nous sommes ici. Da ñong ci liggéey té yaakar na fi ak ay fan yu néw xamna dinañ commencé liggéey bobu vraiment ñaan yalla mo may ñu ñu mortel ko ak jamm sauf que je suis juste l'aîné des parrains, les parrains qui se sont très très bien mobilisés le jour de la fête patronale et de la pose de la première pierre. Je pense que malgré leur absence physique, ils ont le cœur à cette œuvre, à cet ouvrage, et je pense que c'est, si on peut le dire ainsi, c'est peut-être les premiers qui ont peut-être intérêt et qui seraient les premiers à ressentir de la joie à ce qu'on construit cette belle église, parce que vu qu'ils portent le nom de l'église, vu qu'ils sont parrains, et je pense qu'ils continueront à être parrains jusqu'au jour de la grande inauguration. Et je pense qu'en ce moment, ils pourront peut-être offrir une fête encore beaucoup plus belle que celle qu'il nous a été donnée de vivre le 4 juillet dernier. En tout cas, personnellement, je suis très heureux, étant fils du village, enfin fils du quartier, je suis très heureux et portant le nom de Pierre, je suis très heureux de noter que les gens s'investissent et nous continuerons encore la mobilisation, les parents en premier, les jeunes, les femmes, tout le monde qui mettra du sien pour que nous puissions avoir une belle église qui sera peut-être érigée un jour en paroisse. Qui sait, parce que... Oui, qui sait. Attendez, parce que quand on fait un peu la géographie des lieux, vous voyez que Tchapong s'élargit. J'ai dit toujours que si nos parents revenaient ici, ils n'allaient pas reconnaître Tchapong. Et donc la population s'accroît. Il y a une excroissance de l'autre côté vers la ZAC. Il y a de l'autre côté vers Pognin Extension. Et je pense qu'à terme, en faisant les statistiques, on verra que Tchapong méritera sûrement d'être érigé en paroisse. C'est ce que je souhaite, en tout cas. Merci et que le Seigneur entende nos prières. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Gërëm Yalla ci li nga xamné mom la mo seigneur def bu mu ma tanné comme curé Saint-Anne mo outu l'abbé Henri VI bi fi nékkone curé té jappelé won bu baax ci projet bi ñu ko ci gërëm bu baax té Yalla nako Yalla may wégrum yaram fu mu nekk ñu gërëm mo seigneur également ci li mu def fekk ciir la nak dama ñew rek fekk mbir mi fi ma don nako ma koy rafetlu bu baax bëgg ci wax li nak mané keuru yalla keuru ñepp la so gisé coordinateur bi sax le président du bureau exécutif di wax né musulman japp nañ sax ci liggéey bi manam dañu sét né li ñuy def ni yalla ko mom té yalla mom ñepp ko mom ngén tabax fi keuru yalla di communauté chrétienne dina don mandarga ku ñepp xamné fi le ci gox bi amna fi communauté chrétienne amna fi yewu di tuddu turu christa bi don sen lepp ñu bëgg ko yéene nak ligé li christa bi bëgg rek moy fep chrétienne nek mu mëna cédé ba gëna rafet kon loolu yépp la fi fekk a di gërëm yalla rek ndax mu may ñu
nous avons le projet. Parce que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Parce que Yalla mo jitu Yalla lañuy tabaxal kër waye mom moy tuddu kër gi nak mom rek moko mëna tuddu mom rek moko mëna jéxal kon dañ koy ñaan bu baax ndax li nga xamné mbeubat nañ ko itté wo nañ ko Yalla nañ ko may doole buñ ko mëttalé lolou dal la moy sama tank tay di encourager wa comité di encourager ñepp ku ci mëna def dara rek nako ci def du chrétien du musulman ku ci mëna def dara nako ko def té yalna la yalla fay lool. On a des bienfaiteurs, on a des bailleurs qui nous ont accompagnés et vous me permettrez de les citer et de les remercier parce qu'on a eu donc le soutien de M. Ablaye Diop, l'ancien ministre des Finances, qui a vraiment fait partie des premiers à avoir donc accompagné le projet. Il y a également le docteur Pape Amadou Ndiaye. Dès qu'on l'a sollicité, lui aussi, il a vraiment nous a rejoint. Alors, il y a d'autres volontaires. Pape Samba Diop. Ensuite, on a eu également, et c'est très important de le souligner, alors la communauté musulmane, derrière Sop Nabi Daïra, Sop Nabi et Arsago, Andebolo, vraiment ça c'est symbolique. Ils nous ont accompagnés aussi lorsqu'on faisait la pose de la première pierre. Donc ils nous ont quand même apporté une petite contribution. Voilà. Il y a également nos CEB, les CEB sœurs de Pognine, Tchona, Tchali, pour ne pas oublier. Donc c'est les CEB qui tournent autour de les CEB sœurs qui sont venus donc, lors de la pose de la première pierre. Entre autres bailleurs, vraiment, je le souligne, et puis ça c'est important, on a eu la contribution de M. Mbaye, le PDG de EMG Universal Auto. Il devait venir aujourd'hui. Alors, il disait, même s'il ne vient pas, il allait envoyer son représentant pour quand même venir constater donc, l'œuvre qui est là. Bon, on remercie également d'autres, il y a d'autres partenaires. Certains ne veulent pas qu'on les cite, mais j'aimerais surtout remercier une cousine très chère à nous, Mme Roselyne Baye, la directrice générale des mines, qui nous a offert ce béton armé, 35 tonnes à peu près. Voilà, donc à l'endroit de ces bailleurs. Donc ce point de presse, c'est pour leur montrer ce que vous avez investi, où est-ce qu'on l'a mis. Voilà. Donc, je les appelle encore à la mobilisation parce que après il faudra faire de l'élévation. On est loin du compte parce que 45 millions, on est à peu près à 7 millions. Vous voyez qu'il reste beaucoup à faire. Voilà, donc vraiment, je les invite à. Donc, encore, et les autres qui n'ont pas pu quand même participer, on les invite. Mom!
C'est pour ma fierté, les jeunes. Merci pour votre contribution à la construction de l'église Saint-Pierre. Alors nous vous remettons cette attestation pour vous encourager. Merci. Voilà. Wax ngeen fi nak lu am solo neena ngeen do len baye projet bi mu daan non te bëgg ngeen paroisse ay tam s'il plaît tadie yalla baxna merci aha yu mom l'amical des femmes catholiques ñom itam ñu len di jox kayit bi di len ci gëreem bu baax yu mom sa yo len amé réunion rek ngeen andé ko comme ça so len ko gissé rek gëna gor gor yen ñi dëkk ciapon lan mo nekkon fi ñu ba ngeen ko fatali ko mak yi akale han peul 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 len len benteñi 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 nga xam ngeen penc la won penc la won penc la won penc bu mak bo xane bi nit ñi buñu joggé tol wala buñu soone ñu ñew de nekk fi di yoté di waxtaan ma set mani lan mo indi jang bi fi mo nek fu nit ñi war dajé encore hasard la té amul kenn ko xamné ki ci lotissement bi mo wax ni nañ ko def fi ndax fi ka fay fay la won maamu ñom Sylvain fi lañu dekon yalla yobu na len nañu na lañ yalla may aljana mais sen mandarga keur mi ngi belegi ci sama xel bima dan tok fi ak sama nejaay han ñu ne ka xalé tuuti ñuy fo fi mag ñi ñew fi presque ñi ñep fi lañ doon dajé di yoté di ki ak yoy mani lolu bu fi joggé bënd ñu dafa amone dafa naaton ñi ko fi xamone ñu bu reey la won pitchi fi lañ doon daj pitchi noy bi dafa fess del ak pitchi bëxoti wi ma gis na ben lolu joge na fi mais lan mo indi mu ñëwaat encore ñu wacc bërbu dajé wa fu ñu war dajé lolu da vraiment nek ki ni sama bop ba nga xamni dal mané vraiment il faut que mo wax ko pour ma laaj dal ndax hasard la wala coïncidence la may yalla rek la